Eh bien salut à tous les amis, c'est Itachumaki, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, donc pour la vidéo donc des 50 abonnés mes amis. Donc rappelez-vous, je vous avais dit qu'il y en aurait une, et on a enfin dépassé le cap des 50 abonnés. Je vous remercie du fond du cœur pour ce que vous avez fait, c'est vraiment incroyable, vous faites vivre un rêve, vous êtes vraiment génial, vous êtes 50, ça m'est jamais arrivé de ma vie d'avoir autant d'abonnés. C'est pas beaucoup pour peut-être pour vous, pour ceux qui ont 1000 abonnés, tout ça, mais pour moi, c'est vraiment quelque chose de génial. Et je remercie surtout Date Bakun qui m'a envoyé un message hier soir en me disant que je vous avais touché avec mon commentaire sur la vidéo de Mizuka Shinobi. Donc, qu'est-ce que c'est que ce commentaire sur la vidéo de Mizuka Shinobi? C'est simple, j'avais mis un commentaire sur sa vidéo à Mizuka parce que voilà, on avait quelques explications pour sa chaîne, l'avenir de sa chaîne, tout ça. Et moi, je lui avais laissé un message en disant qu'il devait continuer comme il l'avait commencé et rester sur sa chaîne 100% de Naruto et continuer le Eino Live Balou, sinon ça ne serait pas digne de Kakashi, comme je lui ai dit. Donc, c'est à peu près ça que je lui ai dit. Et genre, quelques heures après, je reçois un message de date justement de ce mec qui m'envoie ça, qu'il était vraiment. Ça l'avait touché, mon commentaire, qu'il avait beaucoup aimé mon trailer de Naruto vs Kyuubi. Et qui s'était abonné à ma chaîne et qui adorait ma chaîne, donc je tiens à le remercier énormément de son soutien et aussi du vôtre. Je sais pas trop comment vous remercier, donc voilà. Et juste pour vous dire que quand j'ai vu sur la page principale de ma chaîne, j'ai vu les vues et à gauche 50 abonnés, j'ai pleuré de joie. J'ai pas pu calmer mes émotions, mais j'ai pleuré. J'ai vraiment pleuré de joie et c'était vraiment tellement ému et heureux que c'était vraiment magnifique. Et je tiens énormément à vous remercier. Là je suis sur le point d'encore pleurer parce que ça me fait super plaisir ce que vous faites. Ça me motive mais encore plus là à faire. J'ai fait un trailer avec Naruto, non plutôt Sasuke Itachi vs Kabuto. Je tiens, n'hésitez pas à aller le regarder, hein. Vous faites comme vous voulez, hein. C'est la chaîne, vous faites comme vous voulez. Donc voilà mes amis, donc c'est la première partie donc de cette vidéo. Donc c'est comme l'autre vidéo des 30 abonnés, sauf qu'elle est il y a d'autres infos, d'autres news. Donc voilà, donc comme vous le savez, la deuxième partie c'est les news. Donc c'est parti, donc première news c'est, donc vous l'attendiez un peu, je vous l'avais déjà annoncé, c'est la vidéo FAQ pour les 100 abonnés. Vous poserez vos questions sur Twitter. Mon Twitter il s'affiche sur la vidéo, donc c'est Itachi97 Uzumaki, c'est le nom, c'est mon pseudo de Twitter, et vous posez vos questions directement. Et je les sélectionnerai pour les 100 abonnés et vous verrez pour la première fois ma tête. Et je pense qu'il est grand temps d'arrêter de cacher mon visage. Donc voilà pour cette première news que vous attendiez depuis pas mal de temps. Ensuite, deuxième news, les reviews des tomes Naruto. Donc c'est quelque chose que j'avais pensé depuis longtemps. Je voulais vraiment avoir un concept avec les tomes ou en rapport. Et ben j'ai enfin trouvé des reviews avec des tomes. Donc je suivrai. Pourquoi je l'ai fait? Tout simplement parce que pour agrandir la communauté de Naruto, pour ceux qui disent que les mangas en VF, et ceux qui regardent pas les scans ni les épisodes en japonais. Donc voilà, et aussi bien évidemment pour ces reviews, chaque fois qu'un tome sortira en France, donc je ferai la review. Donc par exemple j'ai fait la review du tome 60, donc je vous invite à aller la regarder, mais je la poserai un peu plus tard. Donc je vous invite à aller la regarder et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez de ce concept, et ça peut être vraiment bien. Ensuite, troisième news, donc là j'attends, je voulais vous la montrer. C'est le conseil des 5 Kage. Donc c'est un nouveau concept que je vais mettre en place sur ma chaîne. Mais malheureusement, désolé, je vais pas pouvoir vous dire en quoi il consiste. Parce qu'il y a une vidéo qui va sortir. Et il y aura toutes les explications sur cette vidéo qui va très prochainement arriver. Ensuite, quatrième news. Donc là, c'est une vidéo donc pour les 70 abonnés. Donc là... je ferai plusieurs étapes. Donc là par exemple ça sera la prochaine vidéo sera pour les 170 abonnés. Et ensuite le final donc pour les 100 abonnés. On va enfin dépasser le cap. Si on y arrive, ça serait vraiment vraiment génial. Ça serait vraiment génial. Oh mon dieu. Je serais
je serais vraiment content. Déjà là ça me satisfait largement. Là, 150 abonnés, je sais pas, vous êtes vraiment des fous, des ouf. Voilà, j'ai rien à dire. Donc voilà, donc il y aura une vidéo pour les 70 abonnés. Donc il n'y aura pas de vidéo à partir, FAQ à partir des 100 abonnés. Parce que voilà, il faut vraiment que ça soit. Les 100 abonnés, c'est assez symbolique. Donc je pense que c'est pas pour le récompenser que vous serez récompensé. C'est juste que voilà, moi je pense que c'est bien de faire cette vidéo là où il y aura les 100 abonnés. Ça serait un gros cap. Et vous verrez pour la première fois ma tête. Donc voilà. Et ensuite, donc là pour la cinquième news, donc moi j'ai mis. Donc il y a un nouveau concept avec KH13002 qui va bientôt arriver. Donc voilà, je vous ne dis pas plus, hein, mais bon allez, vu que vous avez été très sympa, je vais vous dire en quoi il consiste, c'est très simple. Alors c'est à peu près comme le Eino Laibalu, sauf que c'est pas du tout la même chose. C'est simple, ce sont des rivalités entre Hashirama et Madara, parce que Hashirama, je tiens à vous dire que c'est mon deuxième personnage préféré, tout simplement parce qu'il me ressemble beaucoup, très énormément. J'ai l'impression d'avoir même le même caractère. Mais vous le saurez pourquoi dans la vidéo FAQ. Vous me poserez la question. Donc voilà. Et donc Madara, c'est le personnage préféré donc de KH13002. Donc depuis quelques temps, c'est pas trop si Madara. Qui est le plus puissant? Parce que Madara, rappelez-vous, il a le Rinnegan et en plus il maîtrise le Mokuton. Donc là, on sait pas trop qui est le plus fort. Donc on va enfin savoir qui sera le plus fort dans cette série de vidéos qui va arriver donc en fin d'année, parce que ça sera pas, on se lancera pas des défis, on s'affrontera carrément et on verra donc qui est le plus puissant. Ok, désolé, putain, il y a un bordel chez moi. Donc voilà, je vous invite donc mince, je perds mes mots là. Désolé, je vous invite à aller à me dire ce que vous en pensez de ce concept. Donc on se lancera des conditions avant le combat et je pense que ça peut être assez marrant. Et ensuite on se mettra et ensuite on aura un certain nombre de points si on gagne des matchs. Mais si je sais que je vais me faire littéralement exploser par KH13002 parce que je vais revenir sur PS3 et on aura full burst bien évidemment. Et je vais me faire littéralement défoncer parce que KH13002 a un très 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 gros niveau. Et moi je dirais un joueur normal, moi un joueur fair play. Donc voilà. Écoutez mes amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, laissez un like, que partagez-la et n'hésitez pas à me dire votre avis sur les news que je vous ai citées. Donc voilà, sur ce mes amis, je vous dis à très bientôt et on se retrouve donc pour une prochaine vidéo. Et on se retrouve pour la vidéo des 60 abonnés. Merci et encore merci à Datebakun et à vous tous, 50 abonnés. Je vous remercie énormément et vous me faites vivre un rêve. Allez, salut à tous et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, ciao.